Ah! Ok, 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 ok. Et il veut que vous lui faites pipi dans la boue. Allez, allez, go, 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 go. On a une lettre recommandée pour vous. On est postier, nous on donne des lettres. Pas on a des bonnes lettres, on a une lettre recommandée pour le comiste. Tuez-le. Viens. Eh, d'où vous faites ça, non mais oh. Cherche pas les ennuis. Qu'est-ce que ah, tiens, ouais. Je voulais savoir pourquoi on fait ça. Vous me répondez pas. Bah monsieur, vous avez qu'à parler plus fort aussi, bah, plus fort. Répression. On cédera pas à la répression policière. Ouais, bravure policière. Oh, vous êtes méchant. On se fait taser pour rien. C'est une on se fait taser. Parce qu'on veut juste poster. Légal. On poste des lettres. On poste des trucs et nous on se fait enculer. Bravo. Et en plus on va en prison. Mais ouais, t'as rien les barreaux pour avoir rien fait. C'est bravo monsieur l'agent, bravo. Non, y a pas de raison qu'on soit en prison monsieur. Nous on fait que livrer, on fait rien d'autre. Dans la même cellule. Dans la même cellule en plus, bah paf pif. Pourquoi je vais une cellule tout seul? Et il en manque un, il est où? C'est à cause de lui là, c'est à cause de lui qu'on est en prison là. Nous on est que des postiers, on livre juste. Vous me dites pourquoi y'a un enfant qui est ici? Petit, tu dois pas voir ça, rentre chez toi. Jack, est-ce que tu peux te pousser? Je vais faire pipi. J'ai une envie très très pressante. Et il va faire ça dans le coin. Non mais c'est vous poursuivez toi là. Non mais quoi? C'est une honte. Monsieur, monsieur, nous sommes postiers. Nous sommes là pour donner des lettres. Nous sommes pas là pour harceler les gens. C'est débile. C'est pas d'harcèlement, regardez mes papiers, monsieur, je suis postier. Si ce que je fais est compté comme de l'harcèlement, alors j'harcèle tous les jours. C'est pas possible. Je suis postier, monsieur. C'est quoi ce bordel? On est postier, on peut même plus travailler. Donnez-moi votre supérieur, je veux parler à un responsable. Non, on est post. Non! 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 Comment? Non! Il est dans la porte, il est dans la porte! Non! Incompétent! Bande d'enculés! Vous tuez mes frères pour rien! Vous êtes incompétent! Vous n'êtes qu'un enfant! Vous devriez avoir honte! Vous tuez des innocents! Vous tuez que des postiers! Dehors il y a des brancardiers, des mecs qui tuent tout le monde et on a fait quoi pour extraire des lettres? On se fait compter comme du harcèlement! En plus vous nous tuez! C'est inacceptable! C'est inacceptable! Vous n'êtes pas censé nous tuer quand on part! C'est qui parle déjà? J'ai pas. Oh, je sais pas, je sais pas. Ah, vous dites que de la merde, monsieur l'agent, tout à l'heure! Non! Non! T'as un peu dans le visage! Non, c'est bon! Apportez-lui un médecin! Il saigne! Ah, monsieur, je vais mourir! Ah, s'il vous plaît. Eh, est-ce que dans vos prisons à vous, aux Québécois, est-ce qu'on leur tire dessus quand on parle? Non, je crois pas, non. Vous faites honte à votre nation. Vous faites honte. Ouais, vous faites honte à votre nation, ouais. Vous savez même pas pourquoi vous nous emprisonnez. En plus, vous parlez même pas assez fort. Vous avez tué un de nos collègues. On va porter plainte à l'État. Tu veux encore nous tirer dessus? Vous êtes le meilleur, bravo, je vous applaudis, bravo. Ose me tirer dessus, ose. Et tu vas déloyer ta nation. Pff, ça... Toi, ferme ta bouche, là. Tu fais honte à ta nation. Ah, tu tues pour rien. Va voir Satan. T'es son meilleur pote, avoue-le. T'es son meilleur pote, hein. T'es son pote, c'est ça. T'es son putain pote. On est né pour donner des lettres. Des animaux, je veux dire. Ouais. Ah non. Vous avez tué notre pote. On va porter plainte à la mairie. Ok, je vais vous démonter. Bah y a intérêt, ouais. Salopard va. Il se passe quoi là? On va porter plainte au maire parce que les flics ont tué notre ami alors que nous sommes postiers et nous ont enfermés illégalement pendant 2 heures. C'est illégal. Ok, je vais vous autoriser à voir le maire. Merci. Vous êtes un brave. Merci. En vrai, j'ai jamais vu le maire, mais là je vais le voir pour la première fois. Je suis un peu en stress. Ah, bah pas nous on est révoltés. Policier de caca qui se permet de tuer notre ami alors qu'on veut juste donner une lettre. Calmez-vous. Mes frères, levez vos panneaux.
contre les policiers. Les policiers. Vous trois, vous êtes révoltés, c'est ça, entrez, mais. Ouais, on était quatre. On était quatre de base, ils ont tué notre ami. Pourquoi? Parce qu'on voulait poster une lettre. Ils ont tué votre ami Ketchup. Oui. La police. C'est la police. Ok, nous sommes arrivés. Bon, calmez vos ardeurs quand on arrive près du maire. Calmez-vous, ouais, bah bien sûr. Il est où, notre troisième? Ne criez pas sur le maire. Bon, ok, on va aller voir le maire. Où est-ce qu'il est, le maire? Il est où, monsieur le maire? Le maire, est-ce que le maire se cache? D'accord, on va l'attendre. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Le mec armé qui monte. Pas de problème. Nous, on veut juste se plaindre. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur John? Des personnes armées qui montent. Eh ben, notre journée, elle est pas finie. Moi, je te le dis, John. Vite, ils arrivent. Ils sont là. Ah non, c'est le postier. Monsieur, je viens vous surveiller, monsieur. Je suis avec vous. Tu m'as embarqué, Mathéo. Ah, Mathéo. Je pensais que c'était les policiers qui t'avaient embarqué. Oh, c'est horrible. Bon, nous devons commencer à repeupler l'espèce. Je vois qu'une femme ici. Monsieur le maire, nous trouvons que les policiers sont incompétents, les policiers, je vous jure. On n'a pas dit incompétents, on a dit vous nous avez séquestrés. Ils nous ont séquestrés, ils ont tué notre ami. C'est maman qui a été barrée en cours. Eh oh, cassez-vous. Non, on veut porter plainte. Baissez votre arme. On porte plainte, nous. Quoi, ça? C'est quoi? Non, c'est quoi cette incompétence là? Oui, même partout. On est où là? On est où? Allez, cassez-vous. On n'est pas chez monsieur Mouya, mais d'en bas. Hein. Nous, on est chez monsieur le maire, on veut porter plainte. On veut porter plainte. Monsieur, c'est bon, monsieur le maire. Allez, partez. Monsieur le docteur. Mais c'est inacceptable. S'il vous plaît, suivez-moi. Non! Pas de salaud. Venez, les facteurs, arrêtez. Salaud. C'est quoi ça? C'est quoi cette mairie d'enfants battus? Venez. C'est de l'incompétence. Connard! Chut, je vous propose une révolte. Ah bah oui, hein. On doit tuer le maire. Je connais un vendeur. Ok. On doit tuer le maire et je vais me présenter au maire. Attendez, monsieur. Peut-être qu'il y en a un pas très loin. Non, le café, pourquoi t'es comme ça? Je sais pas, je me suis fait attaquer dans la rue, on m'a mis des menottes. D'accord, c'est les policiers incompétents encore. C'est encore eux. C'est encore eux. Des policiers. Oh, les salauds. On va tuer le maire. On se sert d'un point et de nos lettres. On va lui foutre des timbres dans la gueule. Et quand je parle de timbres, je parle de mes points. Ah ouh. On va se faire tirer dessus. Tu préfères quoi? Tu veux être postier à jamais sachant qu'on est souillé par la police? Non. Ou alors être postier libre? Postier libre, alors on y va. Tiens. Comment on se revoit? Tiens. Ça va? Vous avez toujours le sang de mon ami sur vos mains? C'est lui! Il a tué notre ami! C'est vous qui baissez votre taser, salaud! Baissez votre taser, monsieur! Ah! On se calme! Voilà, monsieur, calmez-vous! Non! Il m'a pas verbalement, j'ai le droit de les tuer! Voilà, postier! À l'assaut! Non! Oui, ils l'ont eu! Salopard! Vous en tirez pas comme ça! Allez, il veut me tuer! Salaud, il est avec lui, il est avec lui! Il est avec lui! On va te trancher la gueule! Tuez-le! Non! Mon frère! Là! Laissez-moi! Vous avez tué trois de mes collègues! Je suis le dernier, c'est ça? Vous allez me tuer dans une salle de torture? Monsieur, aidez-moi! Faites le bon! Envoyez vos priorités! Aidez-moi, monsieur! Aidez-moi! Souvenez-vous de quel côté vous êtes! Je reviendrai, ne vous inquiétez pas! Souvenez-vous! Je vais démissionner et tuer le maire! Je vais aller tuer le maire! Ouais, vas-y! Parle au nom des postiers! Au nom des postiers! Salaud! Oh ouais, vous me crachez dessus! Ouais, je vous crache sur. Ah ouais, de toute façon vous avez tué trois de mes collègues. J'ai plus personne maintenant, je n'ai plus de famille. Vous avez tout anéanti, bande de salauds. Je joue parfaitement mon rôle de policier. Laissez-les tranquilles, vous faites que le mal autour de vous. Vous n'êtes pas policier, vous êtes des nazis. Laissez-moi partir, je suis postier. Ils ont tué trois de mes amis. Vous avez tué trois de mes amis, vous êtes fous. Vous n'êtes pas de policier, vous. Vous êtes qui, vous? Je vous connais pas. Hey, c'est un agent de la BAC. Amenez-moi des hommes dans la salle de prison. Quoi? On va pas être emprisonné, on a rien fait. Nous, on est victime dans cette histoire et on se met emprisonné. Je veux pas aller dans la prison. Mais monsieur, écoutez ce qu'on dit. Ces agents de police sont dangereux. Messieurs, les agents de police sont dangereux. Ils ont tué trois de mes amis. Pour rien, ils sont dangereux.
vous dis qu'ils sont dangereux. Salaud. Ils ont tué trois de mes amis. Toi t'es un salaud. Mais pourquoi tu essaies de le taser, Yannick? Parce que c'est un incompétent, c'est tout. On nous a emprisonnés injustement. Vous êtes prisonniers là présentement, donc vous allez... rester. Quand vous commencez à me saouler là. Mais moi, c'est vos policiers qui commencent à m'énerver. Ils sont incompétents, les deux autres policiers. C'est compris, une balle dans la tête, c'est compris. Ils ont tué mon ami exactement pareil. Vous êtes comme eux. Au fond, vous êtes comme eux. Chut. Vous êtes incompétents comme eux. Vous, merci. Il faut mettre ces trois hommes en prison, s'il vous plaît. Non. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Non. 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 Je vous tiens l'œil. Je fais monsieur au chapeau, surveillez-les s'il vous plaît. Surveillez-les s'il vous plaît. C'est ce que je vais faire. Il va m'aider. Allez. Vive frère postier. Merci beaucoup. Il faudrait ouvrir la porte. Par la porte du garage. Allez, allez, allez. Allez vite. Merci. Je t'aime. Heureusement qu'ils ne sont pas tous bêtes. Je commence à avoir faim, les gars. J'ai mal. Noni. Oh non, pas lui. Ah, une pepperoni. Frottez-lui. Aïe, taïo.